السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الآباء الأفاضل، أبنائي الأعزاء، أدعو الله عز وجل أن تكونوا أنتم وكل من تحبون بألف خير. Donc, chers parents, chers apprenants, j'espère que vous allez bien ainsi que les vôtres. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous parler du déroulement de nos activités pédagogiques d'ici la fin d'année. Premièrement, je tiens à vous informer que nous allons reprendre nos cours à distance à partir de la semaine qui arrive. Vos enseignants mettront leurs cours sur l'espace numérique et ils seront disponibles comme d'habitude à répondre à vos questions. Ensuite, j'aimerais bien revenir sur la décision du gouvernement concernant le retour de nos enfants à l'école à partir du 11 mai. En ce qui nous concerne, au CREF, nous allons voir l'évolution des choses. Si la situation évolue d'une façon miraculeuse dans le sens positif, on reprendra les cours en classe. Sinon, si on voit qu'il y a des risques, qu'il y a toujours un danger, c'est le plus probable, on continuera nos cours à distance. Pour cette raison, je vous demande, chers élèves, à suivre vos cours d'une manière sérieuse. Nous sommes là à votre disposition, alors faisons tous et toutes l'effort nécessaire pour réussir cette année, Inch'Allah Ta'ala. Chers parents, pour vos enfants, pour que vos enfants valident l'année, ils seront obligés de passer des examens en ligne via notre plateforme. Mais nous, ne vous inquiétez pas, on mettra plusieurs exercices identiques aux évaluations finales et normalement ça va être facile à les réussir. Ces évaluations vont couvrir, on va dire, 70% jusqu'à 80% des compétences à valider cette année. Pour le reste, on le fera soit par téléphone ou WhatsApp et peut-être, pourquoi pas, en présentiel d'ici fin du mois de mai, début juin. On verra. Sachant que qu'on va donner une deuxième chance au mois de septembre aux élèves qui n'ont pas réussi cette année. Avant de finir, je vous invite à regarder la vidéo dont le lien est en bas. Nous expliquons dans ce tutoriel comment faire les exercices sur la plateforme. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.